Deuxième place donc pour Jesse Fels derrière Kotchekova. Et voici le roi de Sabae, champion du monde au concours général. Sera-t-il médaillé aux anneaux après avoir obtenu la médaille d'argent au cheval d'arçon? Li Xiaoxiong. C'est un pendule. Croix renversée. Bien tenu. Planche libre. Chaque élément de force doit être tenu au minimum 2 secondes. Croix de fer. Bascule équerre. Établissement à l'équilibre en passant par la planche, corps tendu et bras tendu. Nouvelle planche libre. Pour l'instant, c'est perfect. Soleil bras tendu. Grand tour en lune. Double tendu avec une vrille. Et petit pas aussi en arrière. Il n'aurait pas dû mettre le tapis lui non plus. Ce n'était pas nécessaire. Il maîtrise parfaitement la technique de sa sortie. Surtout que le championnat du monde se termine pour par ses finales. Il n'y a plus de risque à prendre. C'est dommage. Ce sont les entraîneurs qui imposent cela ? Non, c'est une nouvelle réglementation de la Fédération internationale pour éviter les traumatismes répétés sur les sorties. On est d'accord. Mais probablement que très prochainement, les fabricants de matériel intégreront ce petit tapis mou à la couche normale des 20 cm actuels. C'est pas sérieux cette affaire. Bon, apprécions la limpidité et surtout l'impidité de ce mouvement. C'est assez extraordinaire. Vous allez voir Yuri Kiki tout à l'heure. C'est pas pareil comme travail. C'est plus impressionnant. Mais quelle ligne possède Li Xiaoxiong? Une note de 9,80. Tiens, le voilà, Yuri. Note de 9,80, c'est vraisemblable pour Li Xiaoxiong. Moi, je serai à la place des juges des anneaux. Je lui accorderai volontiers. Oui, moi je n'irai pas si haut à cause de la sortie, mais tout cas j'irai au-dessus du premier japonais. Bon, alors aux anneaux, il y a un grec, un portoricain. Voilà, 9,65.